Aller à l'extérieur de la NAS. On va reculer en direction du Pérou. Ah voilà, on va reculer en direction du Pérou.
enfin tout le monde est déçu, sous-tay ma mélance. Il y a votre collègue qui a dit que vous n'allez pas nous taper. Hein. Moi j'ai reculé, j'ai filmé. Vous avez dit, j'espère. Taper, j'ai filmé. Parce que pour l'instant on est gentil. Pas sûr. Si on est gentil, une demi-heure. Ça coûte combien de temps? Je crois que le préfet il veut plutôt une heure ou une heure et quart. Je sais pas ce qu'il veut le préfet, mais. Alors, être en tout cas, on attend. Hein. Bon, nous espérons que ça se passe bien, hein, vu qu'ici tout le monde veut que ça se passe bien. D'accord, donc on est des contrevenants à l'interdiction de manifester. C'est même pas une manifestation non déclarée, c'est une manifestation interdite. Qui c'est qui a dit que c'est la préfecture? Moins de flics, plus de joie. Alors monsieur Sorel, pourquoi vous avez interdit la manif des gueux alors? Parce que je suis deck, parce que personne m'a invité. Moi je voulais être là, mais personne m'aime et personne m'a invité quoi. Et monsieur Macron, vous avez été invité vous? J'ai été invité, moi je voulais rencontrer le peuple, savoir un peu ce qu'ils veulent. Et je déclare le carnaval officiellement légal. Oh là là, ça va au-delà de l'arrêté préfectoral. Grâce à mon collègue Monsieur Sorel qui me soutient depuis des années. Ouais, mais il me faut de la coque. La République en marche est en de bonne voie avec Monsieur Sorel. Mais il me faut de la coque, sinon moi je tiens pas. On en trouvera. Ouais, ici, un peu de coque par ici. Il a de la salade, il a de la salade, la caméra. Ils ont un panier à salade. C'est le groupe là qui s'est fait interpeller. Une interpelle? Pourquoi? Il a su chanter. Mais ça peut être le genre de truc que je fais. J'ai un souci, toi, stagiaire. Merci. Je te rappelle que t'as une bière à la main, t'es pas très crédible. C'est pas grave, j'ai une carte de presse quand même. Moi aussi. Ah oui, ils prennent en photo les cartes d'identité. C'est un contrôle d'identité. Peut-être une petite masse, c'est sympa. Non mais non. Efficace. Ah, ils sont bons. Alors où est-ce qu'ils vont bouger maintenant? Libération de la NAS. Ouais, ils sont ouais. Sauf que dans le lot, il y en avait qui n'étaient pas du tout masqués. Donc c'est parce qu'ils sont masqués qu'ils font carnaval. Alors Gionou, par exemple, on peut aller chanter carnaval dans les rues de Montpellier, c'est pas un problème parce qu'on n'est pas masqué alors. Bah, mais n'importe pas. Quoi, n'importe quoi. C'est un prétexte. Et après, ils nous ont dit, mais les jeunes filles, là, elles ont pas masqué, pourquoi vous les gardez là? Qu'est-ce que... Ils ont rien dit? Rien du tout, c'est complètement discriminatoire. Mais non, c'est juste toi, carnaval, toi, ouais, tu vas payer et les autres, ils paient pas. Ils en ont embarqué deux. Ils n'avaient pas leur papier, non? C'est pour ça? Ah, c'est absence de papier. C'est pour contrôle d'identité. 4 heures. Défaut de papier.